Salut à toutes et à tous, c'est Psycho. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test en fait, tout simplement. J'avais envie de tester un tout premier live, en l'occurrence sur The Binding of Isaac. Ça fait un petit temps que j'avais essayé, j'avais testé. Voilà, j'ai déjà réussi à finir le jeu par le plus grand des hasards et par la plus grande chance du monde à mon avis. Mais voilà, alors si jamais il y a un problème avec le volume, si jamais ça va trop fort ou des choses comme ça, faut pas hésiter à me le dire, surtout pas. Je changerai ça. Je m'occuperai de ça donc. Alors il est un petit peu. Niveau son, ça va. Bah c'est nickel, alors c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors je vais. On va essayer parce que ça fait une paye que j'ai pu jouer. Ouais, j'ai pas de. Je sais plus s'il faut une clé ou pas pour les ouvrir, ceux-là. Non, pas besoin de clé, ok. On va se faire quelques parties. Je suis pas très très bon. Je suis pas très très bon. Donc à mon avis, ça risque d'être assez court. Mais on verra bien ce que ça va donner. Si jamais, on en refera une ou deux. C'était limite ça. On va aller voir par là. Hein. Allez, sur le boss direct. On fera toutes les salles après, c'est pas grave. On va essayer de faire le boss en tout cas. Allez, viens par là. Allez. Allez. Voilà, et de 1. Allez, au deuxième, ça va aller vite. Voilà, bam. Allez. Meurs. Décède de la vie. Allez, ainsi. Arrête de chier partout. Voilà. Un cœur, c'est nickel. Alors, le rouge à lèvres, comme ça, je vais être toute belle, c'est parfait. Ok, c'est cool. Bon, par là, qu'est-ce qu'on a? Des lunettes, c'est quoi? I've seen everything. Ok, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, cool! Ok, d'accord, c'est pour voir la pièce secrète. Nickel. Voilà, ça fait plein de sous en même temps, c'est cool. Bonjour! Donc comme j'ai plus de range up, c'est range, c'est la distance, comme je tire plus loin quoi en gros, je peux courir plus vite. Enfin je peux surtout tirer de plus loin et ça m'arrange bien parce que dans le genre couloir je crois qu'on fait pas mieux. Mais c'est pas grave. Il faudrait une clé par contre, ça serait pas mal pour pouvoir accéder à la salle là à côté. Salut. Ah cool. Voilà, yes, une clé, c'est cool. Voilà. Je vais péter tout ça, histoire de voir qui se cache peut-être de l'argent, on ne sait jamais. Ouais, voilà, c'est cool. Bon, j'ai déjà 25 pièces, ça va super vite. Par contre, je sais pas du tout à quoi ça sert le... espèce de légume là. Je suis con. Heureusement qu'il y a des cœurs. Bon, on va essayer, on va voir, c'est quoi? The sad onion, tears up, c'est quoi? Ah, cool! Ah, non, je pleure, donc je peux tirer... Ah, c'est cool, je peux tirer plus. Nickel. C'est un peu con, mais c'est pas grave, ça fonctionne, donc c'est tout ce qu'on lui demande, c'est nickel. Alors, donc je suis allé là où je suis allé chercher le truc, donc c'est bon, je peux descendre. Let's go. On va aller par là, ça me paraît bien. Ah ouais, c'est quand même vachement pratique en fait. Yeah. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Que des pièces. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Allez, ça c'est un peu moins drôle du coup. Aïe.
Non, non, non. Punaise. Suite. Ouais, ça, ça va. Ils sont pas encore trop violents. Nickel. Bon, ben j'ai perdu un demi-cœur. Bon, c'est pas encore trop grave. Il me faudrait une clé, ça serait pas mal. Il faudrait vraiment une clé. Hop là. Ah ouais, c'est vrai, comme j'ai toujours les lunettes, je vois toujours tout. C'est nickel. Allez. Allez. Ah. Voilà, nickel. Et ces musiques, quoi. Franchement, c'est... Allez, meurs, toi. Saleté. Elles sont vraiment géniales, les musiques. Ah, machine à sous, c'est pas mal. Faut prier quand tu crées la partie d'avoir de la chance. À mon avis, là, ça va, quoi. Ça va. Je pense que... Ouais, bon. Faut voir pour l'argent, mais sinon... pour l'instant, il me semble que ça va encore. Ouais, bon, on va pas user notre... On va voir encore une dernière, voir ce que ça donne. Que dalle. Bah, on va te faire foutre, alors. Hop là. Et voilà, ça me donne des cœurs. Merveilleux, super. Je m'en cogne complètement. Ça fait un peu trop le face ici. C'est pas grave. Bon, soit... Ok. Alors des cœurs contre de l'argent. Qu'est-ce que je peux donner? Je peux donner. Ouais, je peux donner un demi-cœur. Je m'étais fait avoir la toute première fois que j'ai vu cette machine. J'ai compris l'inverse. Je crois. J'avais pas compris que c'était un cœur, un demi-cœur en l'occurrence contre de l'argent. Je croyais que c'était de l'argent contre des cœurs. Il me restait un demi-cœur, je suis mort. C'est complètement débile. Mais c'est pas grave. C'était absolument stupide. On va essayer. Une fois ou deux, super, une pièce contre une pièce, trop sympa, fallait pas. Oh, dégage toi. Cœur. Bon, si je gagne le cœur. Ah, ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, je peux récupérer. Voilà, on va pas passer une heure là-dessus, mais. Bon, on va te faire voir, c'est pas grave. Je peux plus rien faire exploser par contre, ça c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Encore un cœur, bah, allez. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je peux prendre de l'argent, donc ici. Voilà. Et voilà. Ça fait toujours de l'argent au cas où. C'est pas mal. Meurs, tiens. Fais des vacances, meurs. Voilà. J'ai toujours gardé la bombe, on sait jamais. Je vais voir après pour le coffre si j'ai... la possibilité ou non d'aller le chercher. Aïe. Ah. Ah. Allez, meurs. Décède de la vie. Voilà. Meurs aussi. Voilà. Et meurs. Non. Hop là. Voilà. Y'a rien. Y'a jamais rien. Saleté. Du coup, est-ce que je ne suis pas allé ici à droite? J'allais dire à gauche. Super. Ah, j'aime pas ces trucs. Alors, je sais que... Oui, parce que je sais des choses, c'est dingue, je vous jure. Je sais que sur les rochers un peu bleutés, il y a des pièces bleues, du coup, qui valent 5 pièces. Oh. Donc, celui-ci, notamment. Hop là. Ah, ah ouais, non, c'est pas les pièces, c'est... Ok, c'est méga, ok. C'est les... Je dis des conneries, c'est pas les pièces, ce sont les cœurs, c'est encore mieux. Ok, j'ai pas de clé, ça c'est un peu dommage. Bon, je vais aller faire une tête au boss et puis on verra bien après. On va voir ce que j'obtiens. On va voir. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Y'a rien, y'a rien. Y'a rien et y'a rien. Super. Ouh. Tu ne mourras pas. You will never catch me. Allez. M'en fous, j'ai une plus longue portée que toi. Tu me toucheras pas. T'as failli, n'empêche, mais tu me toucheras pas, je m'en fous. Ça va, il est fastoche. Voilà. Des cœurs, et ça c'est quoi? Un pentagramme. Damage up, ça c'est cool.
Ok, je gagne en dommage. C'est pas dommage. Blague pourrie, power up. Alors, j'ai. Ouais, j'ai pas de bombe. J'ai pas de clé. J'ai rien en fait. Là, le coffre, il est. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller essayer de choper une clé, une bombe ou un truc dans le style. Ah, voilà, une clé, ce serait pas mal. Ici. Yeah! Et une bombe. Non. Une bombe, j'ai dit. Ici. Alright! Une bombe. Non, une bombe. Ici. Donne-moi une bombe. Une bombe. Non, pas des sous, je m'en fous. De l'argent contre de l'argent, c'est con. Non, mais. Oh. On sent bien le damage up quand même, hein. Ça fait pas de mal. Ici. J'ai dit ici. Ouais, yeah! Ça, c'est bon, ça. Super. Oh, j'ai perdu. Quelle différence. M'en fous des cœurs. Yes. Ça, c'est bon. Ça, c'est tout bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un demi-cœur là-dedans. Voilà. Comme ça, le demi-cœur sert à quelque chose. Je peux même utiliser encore un autre parce que je sais qu'il y en a un au niveau du boss. Enfin, au niveau de... feu boss. Donc je dois aller par ici pour avoir ce coffre. Là. Là. Yeah. Ça c'est bon. Et du coup, je suis pété de thunes. Entre gros guillemets évidemment. Mais je suis pété de thunes quand même. Et donc, je vais aller jeter un œil dans cette salle là. Clac. Alors. La carte ici, je m'en fous honnêtement. La clé, bon, là on s'en fout un peu. Je vais prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cœur. Il m'en reste 14. Je vais aller me chercher une pièce avec un demi-cœur. Et je vais prendre la carte. Je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est la carte, dites-le moi un peu. Ça serait pas mal. Donc la carte à 15 pièces là qui est en dessous. Ce serait pas mal. Je vais reprendre une pièce, deux pièces même, je suis trop fort, je peux donc utiliser une pièce ici pour avoir des bombes, pourquoi pas. Mais c'est pas grave, si tu ne sais pas pour la carte, dis, c'est pas grave. Je te pardonne. Je suis bon, je sais. Ne me remercie pas. Oui, c'est n'importe quoi, je sais, mais c'est pas grave. Bon, on va essayer la carte, on va voir. Peut-être que ça va me donner... Treasure map. Ouais. Bah peut-être que ça me... En fait, si ça se trouve, ça fait la même chose que les lunettes. Peut-être que ça me donne l'endroit de la pièce. Ah, j'ai un petit bug. Hop là. Alors ça, c'est quoi? C'est une mouche. Un compagnon. Attack fly. J'ai un compagnon. Trop génial. On s'en fout, mais c'est pas grave. Voilà. Du coup, ça avait coupé. C'est... ça a coupé, mais c'est revenu? Ou ça a quand même coupé et ça a coupé? Le compagnon fait une attaque kamikaze. Ah, ok. C'est revenu, d'accord, ok. Merde, j'ai pas pris le cœur, je suis con. Bon, bah tant pis. Oh, le boulet. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, j'ai toute la map en fait. D'accord, ok. Bon, c'est pas mal. Et j'ai en même temps la pièce secrète et tout le team. C'est pas mal. Ok, donc par là, il y a strictement rien. Dégage toi. Allez. Et meurs. Oh punaise, c'est sans faire un bordel de dégâts ce truc. Ah ouais. Ah bah merci, là franchement, trop sympa. On va aller par où? Par ici, allez. Foutez-moi la paix, vous. Foutez-moi la paix, j'ai dit. Toi aussi, meurs, voilà. Une carte, bon, c'est quoi? The Emperor, je sais pas du tout ce que c'est, moi je m'y perds dans les cartes, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Oh, tu.
Aïe. Ok, nickel, une pièce. On va aller voir dans la pièce secrète. Ouais, l'argent. On crache pas dessus. Nickel. C'est bon, on tient le coup, on tient. C'est bon. On se démerde pas mal jusqu'à présent. C'est cool. Faudrait une clé, ce serait pas mal. Si petite bestiole pouvait me donner une clé, ça serait cool. Ah, pas de clé. Pas de clé, merci. Alors le demi-cœur là, en pute. Voilà, c'est bon. Ouais, on va voir par là. Ah, ok. Oh, tu vas un peu vite, toi. Tu vas un peu vite à mon goût, toi. Voilà. Alors le demi-cœur, ici ça doit être un speed-up à mon avis. Poison touch. Ah, poison touch, c'est pas mal ça. J'ai pas de clé, je suis bête, j'ai pas de clé. Ouais, il me faut deux clés, c'est génial. Oui, bah merci, merci du conseil, franchement, genre, tu sais pas à quoi elle sert la carte, bah utilise-la. C'est trop sympa. Oups. Salut. Allez, allez, voilà. Et une petite pièce en prime, si ça c'est pas génial. Ok, bon, je vais aller par là, on verra bien. Yep, pep, 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 pep. Yep, pep, 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 j'ai dit. En fait, elle sert à rien la mouche, elle fait que dalle. Saleté des bestioles. Allez. Voilà, meurtre. Bon, on va réessayer avec ça, hein. Peut-être que j'aurai des cœurs comme ça. Ah, une bombe et un cœur, c'est cool. J'ai récupéré ma bombe, c'est pas mal. Voilà. Décide. Si, il y a bien une solution pour vérifier. Si, c'est que tu saches. Tu devrais le savoir. Meurs, toi. Voilà. Encore. C'est nul, ça. Voilà. Et allez, y'a rien en plus. Ah, ah. Voilà, meurs. Allez, meurs. Voilà. Oh, sérieux, quoi. Voilà, une clé. Une clé, cool. Et maintenant arrive le grand dilemme. Soit je prends le coffre tout en bas, soit je prends la porte ici. Soit je prends le bonus tout en haut à gauche de la carte. On va d'abord aller voir s'il n'y a pas d'autres possibilités d'avoir des clés. J'ai plus de bombes, forcément, sinon c'est pas drôle. Je sais pas s'il y a un wiki pour les cartes et tout le machin, mais j'ai pas trop accès au wiki là tout de suite. Tap tap tap. Allez, on va chercher le bonus là dans la... Dans la salle, là, tout dessus à gauche de la carte. On va aller voir ça. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a? Space to use. Ok, j'ai un lemon machin truc. Ok. J'ai l'impression que je viens de me faire arnaquer, en fait, mais c'est pas grave. En fait, j'ai fait l'idiot total. J'aurais dû aller dans la pièce avec les machines et tout le bazar en espérant gagner des clés. Mais comme je suis un triple idiot, ben, je n'y ai pas pensé. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver le boss. Et puis on va utiliser notre lemon machin là, hein, on verra bien ce que ça va faire. On va d'abord péter ça, parce que ça m'inspire pas confiance du tout. Ah, ça tire aussi. Alors on va essayer, ça fait quoi? Ça fait une flaque. Super. Je doute que ça soit du jus, honnêtement. Lemon, jus de citron, mon œil. Vu l'ambiance du jeu, ça m'étonnerait. Aïe. M'en fous, j'ai plein de cœurs dorés. Enfin, pas dorés, argentés. Tralalala. Oh la 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 la. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne me toucheras même pas. Fais-moi la paix avec tes mouches, va gros dégueulasse. Je vais les échapper de peu là. De les éviter de peu même.
Hitbox foiré, ouais. Ok, c'est cool. Alors, des cœurs qui me servent à rien. Ici, on a un dessert. HP up, ça c'est pas mal. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais plus. Alors le chat là, c'est pour donner plus de vie. Enfin, c'est pour donner 7 vies, je crois, un truc dans le style. Mais ça réduit les cœurs à mort. Mais alors ça, j'en ai aucune foutue idée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pimenter le machin à fond. On va prendre ça. Je suis Brimstone. C'est quoi? Oh ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça c'est cool. Et puis, bon, on va essayer, on verra bien. Allez, hop là. 9 vies. On prend des risques à mort, hein, parce qu'il ne reste plus qu'un cœur finalement. Mais c'est pas grave, on est trop des rebelles. Voilà. C'est parti. Le seul défaut avec ce truc, c'est qu'il faut impérativement le charger avant de tirer. Bah, c'est pas grave. Ça fait des dégâts monstrueux, donc c'est cool. Sur moi aussi, visiblement. Saleté. Hein. Allez, hop, c'est pas grave. Aouh! Ok, bah, je sens que je suis mal parti en fait. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Oh, c'est pas grave. Mais la mouche, elle sert vraiment à que dalle en fait. Saleté. Bam, voilà. Ok, et une bombe en prime, c'est bon, je vais aller à droite. Ok. C'est bon. Bam. Et bam, ça c'est fait. Alors ensuite, le coffre ici, bon, on va chercher de façon... On gaspille une bombe pour en chercher une autre, donc c'est cool. Et le coffre, ça donne une petite pilule. Non, je veux pas la prendre. Allez, bam. Par contre, c'est vachement pratique, ce truc. Donc ici, non, il y a une pilule de nouveau. Mais non, on s'en fout. Ouais, ok, de l'argent. On verra bien si j'en ai besoin ou pas. Ça fait de ses... Ah ouais, ok, la mouche, elle sert quand même à quelque chose. Paf. Voilà. Bon, bah là, bon, on va l'utiliser ici pour en récupérer une autre de toute façon. Voilà. Hop. Et hop. D'accord. Ok, j'ai jamais eu ce truc. Le coffre dans un coffre, c'est qu'on joue aux poupées russes, là, ça y est, c'est la fête. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bam. Bam, ça te fait des dégâts pas possibles dans ta gueule, t'as vu? Et voilà, on en parle plus. Ah, un bon de 50%, ça c'est cool. Donc j'obtiens tous les articles à 50% de réduction, quoi. Simplement. C'est pas mal. Pour la carte, alors. Téléport the player, the boss room. Ah ouais, ok. If you the fight will restart and the boss will be back at full. Ah ouais, pratique. Donc en gros, la carte The Emperor me permet de me téléporter dans la salle du boss. Et si jamais je l'utilise en étant dans la salle du boss, je me re-téléporte dans la salle du boss et le boss récupère toutes ses vies. Vachement pratique. Alors j'ai lu que le début de la description, mais ça me suffit largement pour me refroidir. Salut toi, au revoir toi. Voilà, y a plus. Alors encore une petite pilule, on s'en fout. Voilà, de l'argent, c'est nickel. Hop. Ok, c'est nickel. Alors on charge. Et hop là, c'est cheaté à mort ce truc en fait. Non, oula. J'ai failli m'en prendre plein la tête. Ouais. Voilà, quand même, ça pète. Voilà, je vais quand même faire péter tous les barils, on sait jamais qu'il y a des trucs dans les... Ah ouais, je peux pas, c'est vrai. On sait jamais qu'il y a des trucs dans les rochers, mais il n'y a rien du tout. D'accord, on va aller par là. Ouh là 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 là, celui-là, ils vont trop vite, ceux-là. Ils vont trop vite par rapport à la vitesse de chargement du... De mon... Espèce de laser, là. Voilà. Par contre... Pour détruire les caca, c'est pas évident hein, ce truc, parce que ça prend un temps dingue pour se charger, c'est n'importe quoi. Donc là, je suis déjà allé. Ok. Je suis pas encore allé là, dans cette pièce là. Je vais y aller tout de suite. Voilà. Je gagne un champignon. Peut-être que je vais grandir comme dans Mario. Odd Mushroom, c'est Damage Up. Yeah!
Avec une attaque pareille, si en plus j'ai un damage up, plus mes vies et tout le machin, c'est nickel. Ah, et j'ai récupéré un cœur, ça c'est pas mal ça. J'ai récupéré en tout cas un cœur vide, mais un cœur quand même. Est-ce que je prends le risque d'aller là-dedans? Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-dedans, et puis après je vais utiliser la carte The Emperor, comme ça... Je serai TP dans la salle du boss, c'est nickel, il me faut une clé, c'est pas grave. Ok, c'est vachement pratique, c'est pas grave. Voilà. Allez, bam. Oh, avec le damage up, ça en fait des dégâts. Comme c'est cheaté à crever. Il est mort déjà. Voilà, c'est fini. Yes, je récupère des cœurs. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. La chance est avec moi, les petits amis. Ça, c'est très très bien. Je vais aller dans la salle du vilain pas beau. La table de Ouija, qu'est-ce qu'elle fait déjà? Qu'est-ce qu'elle fait cette table? Ah punaise, je ne sais plus. Est-ce que je prends le risque d'utiliser encore un cœur? Ouais, allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça me fait? Spectral Tears, je viens de me faire troller, littéralement. Putain de merde. Spectral Tears ne me sert strictement à rien. À la base, les Spectral Tears, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir... tirer à travers les objets, tous ces trucs là. Or ici j'ai déjà un super rayon machin, j'utilise plus mes larmes. Donc je viens de me faire troller littéralement, c'était stupide, c'était complètement stupide. C'est pas grave. Et moi aussi je peux le faire, hein, t'as vu? Sauf que moi je vise mieux que toi. Voilà. Et je peux même me déplacer. Tralala. Là, ça c'est bon. Alors, je vais pas directement aller dans la salle du boss. Par contre, je veux aller dans cette salle-là. Ça me paraît pas mal. On va tester. Ok. Bam. Aïe. Ah, on passe coller. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, hop, voilà. Nickel. Ah, je suis con. Il y a une force. Voilà. Bon bah ça va, je m'en suis pas trop mal tiré, par contre j'ai déjà perdu des cœurs. Ça c'est un rocher spécial je pense, non? Ouais, un coffre. Des clés, bon, ok. Ok, c'est pas grave. Par contre il va falloir que je récupère des trucs. Parce que là... ça va pas aller, il faut que je récupère des vies, il faut que je récupère... Qu'est-ce que c'est que ça? Je préfère le buter, hein. Avant de prendre des risques, je préfère le buter. On va descendre. Oh, hop, 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 hop. Non. Oh, ce fut limite. Ce fut très, très limite. D'accord. On va voir par là. Ok. Hop, 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 hop. Ouais, meurs, toi. Meurs aussi, toi. Et bah... voilà, et je gagne rien du tout. Super. On va aller voir en face. Ok, la pièce secrète. Qu'est-ce qui me donne ce coffre? Une carte. The Stars. Je n'ai absolument aucune idée de l'utilité de ce truc. Non, zut. Meurtre. Alors le pacte, damage plus 1, rate fire plus 2, ah, bah, j'aurais dû faire le pacte, bah c'est pas grave, hein. Tant pis, merci pour l'info, bon on va essayer ça, qu'est-ce que ça donne, space to use, dead scroll machin, bon bah ça peut pas être pire qu'une flaque de pisse, hein, finalement. Bon, on va aller voir par là. Ok, bon bah ça, j'ai plein d'argent. On va passer un petit peu de temps ici. Si la chance est avec moi, ça serait pas mal. Ça serait pas mal si la chance est avec moi. S'il vous plaît, genre des cœurs de, je sais pas moi. Des cœurs d'argent, par exemple. Voilà. Et une bombe. Je m'en fous de ta bombe. C'est pour m'inviter à faire exploser la machine de rage, ça, à mon avis.
Une pièce, merveilleux. Bon, bah, je vais pas utiliser le reste. J'aurais dû charger mon attaque avant. C'est pas grave. Là. Et voilà. Heureusement que cette attaque est complètement cheatée. Parce que sinon... Ta carte juste au-dessus. Quoi, ma carte juste au-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Elle va exploser! Je vais mourir! Non! Aïe, yo! Non, 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 t'as pas envie de me toucher! Tu ne veux pas me toucher, tu es gentil! Tu ne me toucheras pas! Tu vas te faire foutre! Voilà. Alors, j'ai 3 bombes. Mais je vais pas utiliser les bombes. Non, je vais pas les utiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais garder... Ouais, je vais utiliser une clé ici directement. Voilà, alors je peux... Ouais, ça c'est clair et net, je prends. Alors je peux avoir des super mouches. Et une échelle. Ah ouais, d'accord, ok, ma carte m'envoie dans... D'accord, ok. Ok, ok, merci. Donc la description de la carte que j'ai, c'est... Envoie à la salle des coffres... Ça, s'il n'y a pas de salle des coffres, ça sera un téléportation random. Super. Donc je vais utiliser ça. Allez, je vais prendre ça. Allo fly, ok, j'ai une protection. Les échelles, ça sera quoi? J'en sais rien du tout. Comme je suis pété de thunes, de toute façon, je suis trop le meilleur. Eh bien, je vais... Donc, voilà, ouais, confirmation, je prends. Je sais pas ce que ça fait. Build... Ah oui, ça me permet de passer au-dessus des trous. Oui, 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 ça c'est cool. Ça. Ouais, ça me sert à rien parce que là, de toute façon, je... Voilà. Mais c'est quand même cool. Ça me permet de passer au-dessus d'un trou, d'un de large. Enfin, d'une case, quoi. Et c'est pas mal du tout. Ah, toi, tu vas mourir, de toute façon. Voilà, ferme-la et on n'en parle plus. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est... The Hanged Man. Je sais pas du tout. Je vais garder le truc de téléport dans la salle des coffres. C'est pas mal du tout, ce truc. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la salle ici. Ok, alors je vais faire péter ça parce que c'est un rocher spécial. Voilà, il me donne un coffre. Il me donne une ceinture. Et ça me fait speed up. Ça, c'est bon, ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux... C'est rien du tout. C'est une bombe. Pas mal. Bon, on va faire encore une fois et puis on verra bien. Ça fait que dalle. Donc hop, une bombe ici. Et patatras, ça me donne un cacheton dont je me tamponne littéralement la nouille. C'est pas grave. Alors, c'est quoi ça, c'est... Attends, c'est la description de quoi ça? Parce que moi je sais plus finalement. Dégage-toi, dégage-toi, dégage, dégage, dégage. Ah non, mais pourquoi je tire par là moi aussi, grand débile? Oh là 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 là, je sais pas du tout comment j'ai fait pour éviter tout ça. Bam, voilà. Je sais pas du tout comment j'ai fait pour réussir à me sortir de là tranquille. C'est dégueulasse. Voilà, ok. Donc ça fait des bombes. Ok. Alors je vais... Voilà. Ok, la carte que tu as laissée, 13. Donc ça c'est... Allowing fight over obstacles. Donc en gros j'ai plus de corps et je peux passer au-dessus des obstacles et tout le machin. Pas mal ce truc. C'est pas mal, mais c'est mieux les trésors. Hein. Vive les trésors. Ouais, c'est pas grave de toute façon. Ça me servira que pendant un court instant. Donc à la limite, je préfère quand même le coup des trésors. C'est plus intéressant. Ça m'arrange mieux. Alors il y a toujours la machine. Il y a une machine par ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a une machine ici. Du coup, je peux passer. Bon, je vais arrêter ça. Voilà, je vais essayer une fois ou deux. Parce que ça me donne... Je dois pas avoir de... Je dois pas être destiné à gagner, en fait, un cœur. Vachement pratique. Voilà. Donne ça. Et on ne parle plus. Et évidemment, merci de me foutre tous les trucs en plein sur les picots. Voilà. J'ai ouvert toutes les portes. Ouais. Je suis même allé... Ouais, je suis même allé là-dedans. On va aller fighter le boss. Et on n'en parle plus. Qu'est-ce que c'est? Oh putain, j'aime pas celui-là. Je n'aime pas du tout ce boss-là. Ouais, quoi? Allez, les frames d'invisibilité, c'est dégueulasse. D'invincibilité, même.
Hop, 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 hop. Prends ça, toi. Prends ça. Mais il est malade. Oh, 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 oh. Ah, putain, tous mes cœurs, quoi. Eh, mais t'es starbé, pourquoi tu me colles comme ça? Allez. Voilà. The Book of Revelations. Ok. Je récupère des cœurs, mais ils me servent à rien. Cube of Meat, c'est quoi?